Ah ouais, l'équipe, avant de commencer la vidéo, j'ai oublié de vous dire que le son est numéro 1 sur iTunes et sur YouTube, le son audio est tendance numéro 2. Et peut-être il a augmenté depuis. Bis bis et bon visionnage. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, une vidéo pour le débrief de Monsieur Rof Dadju en direct live. Un son qui est sorti le 25, le clip à 18h le 25, un clip qui a cartonné, franchement. Alors déjà, on va parler du son. Le clip, déjà, le clip, on va dire, il est presque rapide. Le clip, pour moi, il est parfait. Le clip est franchement, on pourrait dire, il est bien. Franchement, il va avec le son. Il est parfait. Il est bien entouré. Il est cool. Franchement, il tue. Il n'y a rien à dire sur le clip. Franchement, il est carré. Franchement, il y a des trucs, des fois, ça colle pas. Sur celui-là, ça colle. Maintenant, le son. Maintenant, le son, on va essayer aussi de débriefer un peu quelques punchlines. Franchement, je kiffe. Franchement, j'écoutais. D'habitude, faut des fois, dès le premier son, des fois, faut écouter deux, trois fois. Celui-là, dès le premier, il a cartonné. Le son, il m'a mis une claque. En fait, il a duré quoi? Il dure 3 minutes 39, un peu moins, peut-être 3 minutes 30. Mais le son, il m'a mis une de ses claques dès le premier. Alors que j'étais à première écoute. J'ai pas compris. Je l'ai remis une deuxième. Je l'ai écouté pendant plus de 24 heures. Hein. Je vous le dis, 24 heures, le clip, pareil, j'ai abusé. J'écoutais que ça en double et en répit. Bref, l'équipe, là, on va revenir sur le son avec Dadju. Franchement, Dadju a fait du Dadju, comme on connaît Dadju sur certains sons, la plupart du temps. Et Rof a fait du Rof. Franchement, c'est un classique. En fait, il fait un classique. Il frappe chaque fois, en fait, avec un son dans ce style-là, ambiance lover, un style. Franchement, c'est même un style américain, mais à la française, qui passe crème. On a eu Hysteric Love. On a eu un son, une frappe de chez Frappe. Excusez-moi. On a eu des classiques de malade. On a eu Hysteric Love. On a eu en 2008, hein, si je ne me trompe pas. En 2010, on a eu Thug Mariage. Franchement, c'est que des claques. Hein. Là, je vous parle que des claques. Après, quelques années plus tard, on a eu Bijoux, on a eu Soldat, on a eu Aime-moi l'imparfait. Mais franchement, après Thug Mariage, la claque, 10 ans plus tard, sécurisé. Sécurisé, c'est la claque internationale. Frérot, tu pourras rien me dire. Le son, il passe bien. Dadju, il a fait du Dadju, il a respecté Rof. Rof a respecté Dadju. C'est un son, un mariage, un feat parfait. Franchement, le son, il se marie très, très bien. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Il y a des punchlines de fou. En fait, même, je dirais, le texte hein, de Rof, hein, de Dadju, c'est juste les refrains. Le texte de Rof, et la plupart des personnes pourront normalement confirmer ça, c'est, on va dire, c'est chaque phrase pour une histoire dans son passé. On va dire, en fait, c'est 20 ans réunis dans son fond, dans deux couplets. Franchement, c'est presque 20 ans. Franchement, il y a plein de choses qui m'ont fait remplir des sons, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de chats, et comme l'amour prend toujours feu, ça veut dire, genre, il prend toujours feu, mais déclare pas ta flamme. Genre, me dis pas que tu m'aimes, parce qu'à la fin, ça va péter. Si je t'aime du fond de mes entrailles, ça me rappelle Maudit aussi. Maudit, je m'en rappelle de Maudit. Tu vois, en fait, le premier couplet, il est bien parce que ça te parle un peu de mon passé. Et après, on est dans le vif du sujet, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est bien. Avec Rof, c'est toujours cette petite histoire comme dans Aime-moi l'imparfait, tu vois. Il y a le matériel n'est essentiel que pour celle qui ne sait pas faire la graille. Ça aussi, c'est une punchline de malade. Franchement, on est en 2020, bientôt 2021, on est dans une génération, on va dire, on est dans un moment où les gens ne cherchent que la facilité pour faire à manger, pour faire ci, pour faire ça. Les femmes à l'ancienne, ça n'existe plus trop, tu vois. Tac, 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 tac. Il y a aussi. Attends, je vais faire au fur et à mesure parce que j'en avais noté plein de choses. Attends, on y est. Ah oui, il y en a une aussi, il y a une phrase que j'ai bien aimée aussi, c'est ma graine donne que des beaux garçons.
Il fait référence à ses enfants, tu vois, et je suis d'accord avec lui. Même au Hebs, tu m'as follow, j'ai connu trop de folles. Crois-moi ou crois bébé, j'ignore comment elles ont eu mon phone. Ça veut dire quand elle était au Hebs, quand elle a eu le tel et tout, je pense qu'il y a des ex ou des meufs psychopathes qui ont eu son numéro alors que, tu vois, même lui, il était choqué, tu vois. Genre parce qu'il est connu de fou, tu vois. Donc il y a des gens qui peut-être ils vendaient le numéro, etc., etc., tu vois. Kiffe, franchement, je kiffe. Le premier couplet, il a la cool, il est bien. Tiens, je te donne un petit coup, vite fait, tranquille. Mais le deuxième, le dernier couplet, comment il claque sa race, mais laisse tomber. Après, il parle de son plus son futur, genre fini les parloirs, ça veut dire fini normalement les problèmes, tu vois, fini les parloirs, rien à craindre. Le pire est derrière, c'est tout est derrière, tu vois, c'est à l'ancienne tout ça. On part que sur des bonnes bases, tu vois. Dieu a donné à ceux qui entendent jamais se plaindre, tu vois. C'est vrai, ceux qui se plaignent pas, voilà. On garde la foi comme Rohingya, sur nous la baraka. Je suis à découvert de love, sois ma sadaka comme Hystérique Love. Tu vois, c'est ça les dédicaces en fait. C'est franchement. C'est fini de brûler nos thunes que dans la sape, faire la fête, la mentale est hors de prix, aucun riche peut se payer ma tête, on fera les choses comme il faut, bébé, t'inquiète, je changeais le fusil d'épaule pour que tu puisses reposer ta tête. Franchement, c'est un classique de fou, un classique de malade, il n'y a rien à dire sur ça. Franchement, c'est vrai, on est là, la plupart des personnes est là pour acheter des belles sapes. Des belles sapes de fou, claquer 10, 15, 20K, faire la fête. Et à fin de soirée, frérot, t'as rien gagné. En fait, ça t'amène nulle part tout ça. Tu vois? Donc quand t'as compris tout ça, aucun riche peut te payer sa tête. Ça veut dire que t'as un vrai talent mental et aucun riche peut t'acheter à n'importe quel prix. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement. Ce clip, il tue. Le son, il tue. Franchement, faut l'écouter. Et ces deux couplets, si je me trompe pas, il y a plus de trois refrains. Tout le monde a respecté tout le monde. Tout le monde a fait du rough. Tout le monde a fait. Djadju a fait du Djadju. Franchement, c'est un bonheur d'avoir sorti ça pendant les fêtes. Parce que ça, tu peux l'écouter avec ta femme, avec ta famille, en période de fête, hors fête. Au sport, dédicace à ceux qui font du sport qui m'ont envoyé leurs vidéos. À tout le monde, à tout le monde. Franchement, pour finir l'année en beauté, il a commencé avec trois morceaux solo. Tous à l'abri, et t'as capté, voilà. C'est tous à l'abri, solo, t'as capté. Il a commencé l'année avec ses trois sons. Et là, il finit l'année avec sécurisé, peut-être son premier hit et feat et classique de l'album Grand Monsieur. Et franchement, s'il le sort pour son album, et j'espère pour lui qu'il sort pour son album, s'il sort pour son album, Grand Monsieur, si sécurisé sort pour son album, franchement, ça mérite Grand Monsieur, parce que c'est bah, une personne évolue, tu vois, sécurisé, c'est genre c'est bon, j'ai la femme, j'ai le passé, c'est le passé, et je peux faire mes jours tranquilles, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, c'est un son qui tue sa race et je suis très très fier de débriefer. J'avais hâte de le débriefer, j'ai écouté plusieurs fois et franchement, je vous le conseille. Je vous mettrai le clip en description. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous retrouve très bientôt l'équipe. Et voilà, désolé, je suis plus en... oh, comment ça s'appelle? Je fais plus trop montrer ma tête pour X raisons, mais c'est pas le problème. Vous êtes là pour ce que je dis et pas pour ce que je suis. Bisous à tous. À bientôt l'équipe et n'hésitez pas à vous abonner. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, c'est trop cool. Donc merci à tous. Clic clic. Yes, ding.